Ce changement doit intervenir sur tous les plans, tant sur le plan social que politique qu'économique. Et je crois que c'est le message. Ce message avait été donné dans la région des savanes, dans la région de la Gare, dans la région centrale. C'est le même message qui est donné dans les plateaux, puisque l'ANC boucle ces deux derniers jours, aujourd'hui et demain, jeudi, la tournée qu'elle a débutée dans les plateaux. Et donc ce message-là, c'est le message du changement, le message de 40 ans de la même famille, du même régime, ça suffit. Et qu'il est temps d'opérer le changement, de tourner Kazakh, si on peut dire, vers le mieux-être de la population togolaise, vers plus de bonheur, vers plus de liberté pour tout le peuple togolais, sans distinction de religion, sans distinction de race, sans distinction de sexe, sans distinction aucune. Un changement pour le mieux-être de tous les Togolais, quels qu'ils soient. Voilà le message que nous avons apporté. C'est vrai que nous sommes dans ma circonscription électorale, le Pélé. De toute façon, ce message-là, moi-même, je l'amène tous les jours, puisque pratiquement tous les week-ends, je suis avec eux ici, je leur parle. Et je crois que ce message-là est entendu, ce message est compris, et qu'en 2015, finalement, le changement interviendra au Togo. C'est une question de foi. Merci. D'accord, merci beaucoup.